Et le jour où ils vont faire leur propre jet, ils vont comprendre que le christianisme n'est pas une religion d'amour. C'est une religion de prédation, d'assimilation, de destruction de nos valeurs. Et par conséquent, un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. Ce n'est pas pour rien que les Chinois n'en ont pas voulu. Ce n'est pas pour rien que les Japonais n'en ont pas voulu. Ce n'est pas pour rien que les Coréens du Nord n'en ont pas voulu. Tous ces peuples-là, aujourd'hui, ils sont mieux placés que nous. Si Jésus, lorsqu'on embrasse la foi, pouvait libérer les gens, leur donner la souveraineté, la nourriture, tout ça. Mais c'est l'Afrique qui serait première au monde. Parce que c'est en Afrique qu'on naît dans Jésus jusqu'à la mort. Je connais des gens qui dorment à l'église. L'église est devenue leur maison. Et la nuit, ils demandent, Jésus, viens nous voir. On a quitté notre maison pour faire des veillées. Des gens qui font des veillées pendant 30 jours consécutifs. Tu vois. Et tu les vois. Ils sont comme des loques parce qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Soi-disant qu'ils sont entrés sous les bougies de demander à Jésus, s'il te plaît, sauve-nous. Mais Jésus ne peut pas vous sauver parce que c'est Paul qui a inventé Jésus. Mais c'est pas clair. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de Messie. Chaque être humain, par sa vie, son travail, ses connaissances, assure ses arrières et assure l'avenir de sa progéniture. Chaque être humain est son propre sauveur. Et le paradis, c'est des nuages. Il n'y a pas de paradis, c'est des nuages. Ils m'ont dit, Kofi, tu vas amener les Africains dans l'athéisme. Voici ma position. En fait, ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes les richesses de la terre. Je vais même être plus inclusif. Le paradis n'existe pas pour les Occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Donc, pour les Occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Et le paradis a un jardin de l'Éden. C'est le Congo. Le Congo. C'est le jardin de l'Éden.